Antoine, ici on est vraiment au cœur de la culture, on est sur une carrière, on a l'usine qui est un petit peu plus loin. Oui, tout à fait. Alors l'usine des Eumont est une usine qui est exploitée depuis plus d'un siècle et dans laquelle différentes carrières ont été exploitées. Mais donc vous allez acheminer des pierres en train ici vers votre usine phare. Oui, tout à fait, Benoît. Ça a été dit, les Eumont est notre plus grosse usine ici en Europe. C'est une usine pour laquelle nous avons des plans d'investissement et d'avenir importants. Une usine qui occupe plus d'une centaine de personnes, sur laquelle nous investissons beaucoup. Et que nous voulons approvisionner en matières premières depuis Amptine, comme je le disais, qui se trouve à une quarantaine de kilomètres d'ici. Et pour des raisons de rentabilité, pour des raisons aussi de durabilité, vous savez que pour les industriels que nous sommes, bien 100% de l'approvisionnement de l'usine en pierre depuis Amptine viendra par train. Et on parle d'un volume très important parce que c'est plus de 10 trains par jour. En effet, c'est plus de 10 trains par jour. C'est un investissement important aussi pour nous qui consiste à la réhabilitation de près de 2 km de rails à la carrière pour aller se connecter à la ligne nationale et qui consiste aussi au niveau de l'usine des Eumont à la construction d'une nouvelle gare et d'une nouvelle station de déchargement. Bah, merci beaucoup, Juan. On continue notre visite. Avec plaisir. Alors je suis ici avec Frédéric, responsable notamment de la politique environnementale de Carmeuse. Et alors Frédéric, on a ici derrière nous ce qui sera la future gare de déchargement. Il ne manque en fait que les rails, mais on voit déjà une partie de l'infrastructure. Oui, c'est ça, exactement Benoît. Nous construisons une station de déchargement pour amener des pierres vers nos fours à chaud de l'usine des Eumont. Donc les pierres seront extraites dans une autre carrière, elles seront acheminées par train et transiteront ici par cette station de déchargement pour être aiguillées directement par bande transporteuse vers nos fours à chaud. Alors on voit deux caissons derrière nous, qu'est-ce que c'est exactement? Alors ce sont justement ces deux caissons, pour l'instant les rails ne sont pas encore installés, mais donc à terme nous placerons les rails et puis les trains pourront arriver à l'intérieur de ces bâtiments, de ces caissons, où ils déchargeront les pierres, tomberont dans une fosse, reliées à une bande transporteuse qui expédie la pierre vers l'usine. Alors, vous reconnaissez Mélanie Lidekem, qui a déjà eu l'occasion de participer à un de mes vlogs, et qui s'occupe de la relation avec les industriels en région Wallonne. Alors, Mélanie, on est ici chez Carmeuse, on a passé l'après-midi chez Carmeuse. Qu'est-ce qu'on fait exactement pour Carmeuse? On rencontre le client, on écoute ses besoins, on apprend à bien le connaître ses différents sites, voir ce qu'on fait avec eux dans les différents sites, et puis on fait en sorte de répondre le plus possible à leurs attentes, connaître leurs perspectives d'avenir et voir comment est-ce qu'on peut travailler le plus étroitement possible. Et puis parfois, il faut dire non, ça ne sera pas possible. Et parfois, on peut leur annoncer des bonnes nouvelles, comme bientôt un contrat de concession pour le site des Eumont. Oui, parce qu'avec Carmeuse, ça roule plutôt pas mal. Il y a de nouveaux investissements qui ont été mobilisés pour le raccordement. Et il y a ce fameux contrat de concession ici d'une gare complète à disposition de cette usine. Un rôle très important d'Infrabel, c'est de soutenir l'économie belge. Et donc on a Carmeuse qui est un groupe de niveau mondial, mais une société belge qui veut beaucoup investir, qui a beaucoup de clients, qui a un bon potentiel. Et donc nous, en tant qu'Infrabel, on doit être capable d'accompagner le développement de sociétés telles que Carmeuse. Et ici, ben, ça marche plutôt pas mal. Frédéric, on a vu que ici l'essentiel de votre matière première va arriver en train. Et alors là où le processus est très vertueux, c'est qu'après votre produit fini à chaud, une grande partie en part également en train. Tout à fait. Nos plus importants clients ici du siège des Eumont reçoivent leurs produits par train. Et donc nous chargeons 2 à 3 grammes de wagons par semaine à destination de ces clients industriels.